Elle n'a fait aucun bruit, aucune plainte. Je l'ai trouvée déjà dans cet état. Elle ne parle pas, elle ne bouge presque pas. Oh mon Dieu. Ça va aller, Patrick. Sois calme, ça va aller. Oui, docteur Ma. Non, j'en sais rien. Elle ne bouge pas. Merde, regarde, tu me lèves pas. Non, non, je ne m'adresse pas à toi. Quoi? Elle va mourir. La femme, conduis-nous vite. Doc. Non, c'est Sylvie. Nous arrivons. Nous ne sommes plus loin. Extrême urgence à gérer. Elle est en route. Ouais, docteur. Madame, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Nous allons devoir mettre fin à cet entretien. Je vous donne rendez-vous demain. Je dirai demain à 8h. Ok? Ça va aller. Ça va aller. Vanessa? Vanessa? Oui, docteur. Prévenez le major Cédric. Nous avons une urgence. D'accord. Ils arrivent. Mesdames, Messieurs, on nous annonce que les mariés sont déjà parmi nous. Prière de vous lever, s'il vous plaît, Mesdames, Messieurs. L'amour se vit à deux et fait des heureux.
Est-ce qu'on peut accompagner les mariés, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Messieurs, distingués invités, bienvenue dans cet espace artistique et touristique du complexe hôtelier Beaustar Palace. Nous sommes réunis cet après-midi pour célébrer cette union entre Sylvie et Herman. Le mariage est bâti sur quelque chose de sacré qu'est l'amour. Et ces deux anges qui brillent nous l'ont montré à suffisance. De la dot à ce cocktail de bienvenue, en passant par la mairie, soyez bénis. À l'instant, mesdames et messieurs, nous allons donner la parole aux mariés. Ils ont un mot à votre endroit. Prêtez-leur vos oreilles, s'il vous plaît. Et je vous prie une fois de plus, mesdames et messieurs, de faire un triomphe à ces mariés qui sont parmi nous cet après-midi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités, mon mari et moi, nous souhaitons de passer des moments très agréables en notre compagnie. Que ce cocktail vous soit rafraîchissant, que les anges qui vous ont conduit jusqu'ici en ce jour vous ramènent chacun chez lui dans de bonnes conditions. Amen. Faisons encore un triomphe à cette belle voix angélique qui nous a promis ce soir. Ce serait un triomphe pour moi, mesdames et messieurs, de poursuivre sans toutefois donner la parole à une personne qui a occupé une place importante dans cette union entre Sylvie et Emma. Elle, c'est la meilleure copine à Sylvie. Je l'ai nommée Amande Séchou, que je vous prie. Acclamez, mesdames et messieurs. Attention, copine. Et tous ensemble, cet après-midi, mesdames et messieurs, nous sommes des tenants populaires et ordinaires à l'entrée de cette union entre Sylvie que l'amour et Emma 2 et fait des heureux. Écoutons la meilleure copine à Sylvie. Merci. Envie de pleurer. Lui. Envie de crier. Lui. Mais des envies de joie. C'est une émotion inqualifiable que de voir sa meilleure amie se marier. Herman, j'ai les yeux rivés sur toi. Tu as intérêt à assurer. Je vous souhaite de vivre heureux. Toujours. À la vôtre. Thank you.
Mesdames, messieurs, chers invités, est-ce qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît? Que tout va bien, j'appelle le docteur Armand, c'est un ami de la famille. Il doit être de garde aux urgences à la clinique C. Non, ne le dérange pas pour si peu. J'ai juste fait un faux pas à cause de ma nouvelle chaussure. Tiens. Toi aussi, tu es un peu poussé sur l'alcool aujourd'hui, non? J'ai pas bu. J'ai... Aïe, mon poignet! C'est sûrement à cause de sa chaussure. Je te dis. Les méfaits de l'alcool. Nous allons faire comment? C'est un destin incontournable. Chez les femmes... Renverse sur le ventre. Et pas bien du tout. Ne te gêne pas. Embrasse-la pendant que tu y es. Mais qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Mon œil, oui. Bien, mesdames, messieurs. Tout est rentré dans l'ordre. Nous pouvons maintenant poursuivre avec la suite des festivités. Et nous allons à l'instant inviter Blondel. Elle est la représentante du chef de cuisine du complexe hôtelier Bosta Palace pour la présentation du buffet. Et juste après quoi, nous allons tous ensemble passer au Zakap. Et je vous prie de le passionner, mesdames, messieurs. Blondel, s'il te plaît, tu viens. Oui, Blondel. Bonsoir, chers invités. Au menu, nous avons tout d'abord une salade de crudités composée aux œufs durs. Ensuite, nous avons du riz blanc. Ensuite, des émincés de bœuf. Ensuite, du poulet basquaise, des frites de plantain. Et en sortie, nous avons une cascade de fruits. Bon appétit à tous. Bon appétit à tous. Oui, mesdames, messieurs, nous allons maintenant inviter la table des mariés d'abord. Mongo
woman guignate. Je peux te voir une minute. Il y a un souci. Ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'elle a encore? Je n'ai aucune idée. Je vais voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? On retourne manger, non? Je veux bien, mais... je me sens bizarre. Il faut que je rentre me reposer. Désolé pour mon retard, chérie. J'ai pris un bus depuis 9h du matin. Waouh! À cause des nids de poules, des radars, des contrôles, nous avons réussi à faire 200 km en 9h45. C'est inscrit dans le livre des records, ça. Oui, mais en attendant, place à la fête. Allons, rentrons. Tu me manques de quoi? Tu es encore capable. Je ne me sens pas bien. Il faut que je rentre me reposer. Quoi? Maintenant? Elle a eu un malaise. Et sa chute a failli lui coûter la vie. Elle a un peu forcé sur l'alcool. Vraiment? Pour une qui ne boit pas ma présence. Et dès que j'ai le dos tourné, tu ne te gênes pas. Oh. J'ai pas bu. À part un toast et un petit verre. Accompagne-la, s'il te plaît. Et tiens informé, d'accord? J'ai pas trop le choix, là. Cédric, elle est sous oxygène. Armande. Armande. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Elle est dans un état comateux. Vanessa, prends-moi l'attention, s'il te plaît. Oui, docteur.
25-13, docteur. 25-13? Oui, docteur. Elle réagit de l'autre côté. Elle réagit, docteur. Côté droit, je pense qu'il y a un souci. Du côté gauche. Major Cédric, vous pouvez me réparer une perfusion? Docteur Armand. Docteur Armand, bonjour. Bonjour. Apparemment très occupé. Oui, je viens de recevoir la femme d'un ami qui est dans un état comateux assez sévère. Votre dossier déposé au ministère de la Santé a eu un avis favorable et vous voyagerez très bientôt. Merci. Et pour l'instant, je m'occupe de la femme de mon ami qui est dans cet état comateux assez sévère, qui me préoccupe. Beaucoup de courage. On se voit tout à l'heure. D'accord. Est dans un état comateux grave. C'est vous! C'est vous qui l'avez tué! Plus de témoins disent que vous avez versé quelque chose dans son verre! Que faisiez-vous à mon mari, assassin? Meurtrier! J'appelle la police! Armand. Herman, n'appelle pas encore la police. Armand souffre en fait d'un AVC. Ouais, c'est ça. Fous-toi de moi. AVC me fait suivre. J'ai vu cet homme lui faire peur à plusieurs reprises hier. Je suis le papa d'Armand. Et elle ne l'a su que depuis avant-hier. À cause du fait que je l'ai abandonné, elle refuse d'admettre que je suis son papa. Et pour la poudre dans son verre, c'est sa maman qui m'a demandé de le faire. C'est une écorce qui dessoule rapidement. Armand n'avait pas bu. Son taux d'alcoolémie est normal. Par contre, Herman, sa tension artérielle est extrêmement élevée. 25-13. Je suis en train de la stabiliser pour la ramener à la normale. Armand est hypertendu. Son médecin lui a conseillé de ne plus consommer le sel. Mais n'en faisait qu'à sa tête. C'est vrai qu'il lui a aussi demandé d'éviter le stress. Et les émotions fortes, avec le mariage de sa meilleure amie, c'était pas évident. Mais Armand a eu des céphalées? Je veux dire, les maux de tête? Oui, mais nous avons assimilé cela aux préparatifs du mariage de Sylvie. C'est l'ignorance qui me tue. Armand souffrait d'une hypertension artérielle, un facteur de risque majeur d'AVC. D'après ce que vous me dites, les signes qu'elle a présentés hier sont des signes d'alerte. Vous auriez dû me l'amener hier, la situation aurait été différente. Actuellement, je me bats pour la maintenir en vie, mais son destin est entre les mains de Dieu. Priez pour elle, priez pour Armand. Cet enfant est de sensibilisation. Les signes qu'elle a présentés hier sont des signes d'alerte. Vous avez tout parlé hier. Si tu vois une petite fille, tu vois, je ne veux pas. Pour la I'm
n'est pas du tout fou. Bien non, non, il nous a encore dit qu'elle avait trop poussé dans la réflexion. Oh non, non, aujourd'hui elle est dans le coma. Ça fait mal, aïe, aïe, aïe. Allez-y. Balance.